soy adicta, tú sabes. Si tú quieres, voy por el hombre. Y estoy lista para darte otro round, otro round, otro round. Ay, un round. Porque ya estoy adicta, tú sabes. Si tú quieres, voy por el hombre. Alors, je reviens du Mercadona, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a pris. Alors, on a pris des petits légumes vapeur comme ça pour baby. On a des œufs, des gnocchis, des barres de céréales comme ça pour le matin ou vers 16. Aussi des bananes là-bas. Un concombre, une tortilla, regardez, celle du Mercadona, elle est super bonne, elle est délicieuse. Et vous avez avec de la cebolla ou juste des patates. Ainsi que du queso, du fromage. Et maintenant, on va faire le petit déjeuner. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voici nos plats. Fromage, gnocchi au fromage, tortilla, concombre. Pareil de l'autre côté. Bon appétit. Le soleil tape. C'est vraiment full soleil today. Il fait 20 degrés. Comment vous dire que c'est vraiment hyper agréable. On va continuer dans notre prochain stop. Le premier, c'était celui-ci, Plaza de España, avec cette petite fontaine juste derrière. On va aller voir maintenant un petit peu le reste. Prendre légèrement à gauche sur Calle San Antonio. Baby boss, que uka freeze, ni peta pasan, la picha cheese, you're so cute, kwako ni mewe uka kabisa chibi. Donc toi t'as pris quoi? Des spaghettis frutti de mer. Donc t'as quoi comme fruits de mer? Nous avons aussi des moules, ouais. Des gambas, ouais. Des petites scampis et je pense des mini morceaux de cabillaud. Et moi c'est pizza, saumon fumé, tomate cerise, burrata et parmigiano. Bon appétit. Vous voulez des morceaux d'ail? Là oui. Garde la gueule. Heureusement qu'il n'y a pas de mari. Ouais. Ils les pâtes hyper al dente. Nous on n'a pas l'habitude de manger des pâtes comme ça. Non, pour la sauce, elle a un goût super doux de fruits de mer en fait, avec de l'ail, etc. Le restaurant s'appelle Miami, en plus d'être bon. Il est vraiment une plaine, la playa. Là-bas, c'est la mer. On a le port. Et c'est trop beau, quoi. L'ambiance est trop jolie. Oh baby, je era tu lady, pero ha pasado el tiempo y tú te olvidaste de mí. Oh baby, je era tu lady, pero las cosas cambian, ya no me importa más. Y ahora ando sola, pero siento que así estoy mejor. Encerré todo mi sentimiento dentro de un cajón. No llames, no insistas, no quiero estar con vos. Entendí que si te lastimas. On est arrivé dans le centre commercial. On a fait tout le trajet comme si on était des voitures. Et là, on a failli rentrer nous aussi dans le parking alors qu'on est sans voiture. On est seulement à pied. C'est trop drôle parce qu'on voit vraiment la distinction entre nous, les Belges, et les Espagnols. Les Espagnols, elles sont en manteau, elles sont en veste, elles sont en doudoune, elles sont en gros gilet. Et nous, on est en robe. On se rend compte de la chance qu'ils ont de vivre vraiment dans un pays chaud. Ils ont la mer juste à côté, le port juste à côté, ils ont les restaurants Frutti di Mar juste à côté. Nous, en Belgique, il y a la grisaille tout le temps. Quand vous voyez que tout est monotone, tout est gris, c'est normal que vous soyez deg de la vie. Donde está mi prima? Estoy hablando sola. Y la gente me mira. Se dice que... Qué loca estoy.
vous venez en Espagne, je vous conseille vraiment les chocolats de chez Valor. C'est avec mes suegros que j'ai découvert cette marque-là, parce qu'en fait, on allait tout le temps manger chez Valor, justement, les churros con chocolate, con café, con leche, etc. Très bon, et j'ai pris cette saveur-là, donc amande caramélisée et également celui-ci. Hola. On est chez Bimba et Lola, je vais vous montrer un petit peu la marque, comment elle s'écrit. Si vous avez le même style que moi et vous aimez un petit peu les styles, voilà, le style un peu décontracté. C'était plutôt le style que je portais quand j'étais à l'UNIF. Actuellement, je le porte moins. It's a no. Je suis tombée sur ce petit manteau, j'aime beaucoup. C'est super classe. Mais le souci, c'est que transport, quoi, parce que moi, j'ai déjà ma veste. Il y a cette veste également, vous voyez, cette veste, qui est quand même longue derrière. Je trouve mignon comme ça avec le col. Mais c'est vrai qu'elle sera difficile à styler, j'hésite. En fait, j'aime pas non plus ici quand c'est trop évasé, parce que sinon, I look like bigger than I am. And it's not the aim. This is a petit problème. C'est horrible. I don't know. No voy a cogerla porque mi prima me ha dicho que está fea. Ouais. Mais elle est bizarre le matcha. Il est plus vert, non? Ouais. Mmh, on n'est pas du tout Japon. Alors qu'on est censé. On est censé être un minimum au Japon, quoi. Au Japon, c'est trop bon les œufs. Que rico. Ok. Gracias. Gracias. Et voilà, elle a pris des ramen au seafood. Est-ce que ça se voit que le Japon me manque? Je pense que oui. Porque ya estoy adicta a tu son. Si tú quieres, voy por el hombro. Ya estoy lista para darte otro round, otro round, otro round. Ay, un. ¿De qui qui a un petit cœur comme ça? Ah, mais c'est pour une jambe. La femme de l'OVNI. Vraiment, c'est trop bizarre. Moi, je vais prendre celle-ci. Et mi prima, elle va prendre celle-ci. Jolie, non? Je vais également prendre ça. Une petite couleur comme ça. Élégant. Ouais, en plus on aura la même. Vamos a tener la misma. Celle-là aussi c'est la bonne taille. Vamos a correrla. En plus on cherchait une boutique de bijoux qui soit en or. Bon là c'est Baño en el Oro. Ah voilà, perfecto. Es mejor que se mover una talla más. Esta. D'acheter ici mon anti-cerne, c'est le Fit Me. En fait, je me suis rendu compte que j'ai directement swatch sur mon visage. Oh, mais je l'ai mis comme ça en fait, distressée. Et je pense, ouais, que c'est effectivement les 15, c'est la bonne teinte. Et on est chez Primor. Primor, c'est un endroit qui est trop, trop, trop bien. C'est vraiment la caverne d'Ali Baba. C'est le petit Olive & Young de la Corée du Sud. Bon, on est revenu au Mercadona. Super mal au pied parce que j'ai pas du tout des chaussures de marche adaptées. J'ai des chaussures pour faire la belle, that's it. Et ensuite on va regarder pour les gambas. J'ai tellement hâte d'être devant la télé et manger ça. Nos gambas, bon normalement c'était dans une box en bois mais apparemment y a plus. Donc on va prendre ça, une chacune. Et j'ai envie de prendre également un morceau de thon comme ça, vous voyez. Parce qu'il est pas cher, regardez, il est à 5€. 5€ pour 200 grammes de vrai thon pan. De bonnes protéines. Guys, c'était ça qu'on cherchait. Vous voyez? C'est dans des carcasses comme ça. Voilà, celles-ci aussi, elles sont énormes. On est venu ici dans un magasin d'alimentation générale pour acheter de l'ail, du persil, faire notre petit mélange de gambas. Et ça va être soirée entre primas y bébé, obviously. Je vais vous montrer l'ensemble de nos achats à ma cousine et à moi. Donc, pour commencer, comme ça, je l'ai mis dans le frigo, je vous l'ai montré. On a acheté du thon, des gambas,
du persil ainsi que de l'ail. Ensuite, je me suis acheté un petit paquet de vaseline comme ça, parce que j'ai vu que si vous mettez de l'acide hyaluronique ainsi que de la vaseline, ça permet de bien hydrater votre peau, enfin vos labios. J'ai acheté un spray désinfectant parce qu'on en a toujours besoin en vrai, il n'était pas cher. J'ai acheté cette tisane également, les deux paquets de chocolat de chez Valor, mes bagues, voilà, je vais vous montrer. Celle-ci est trop trop jolie, regardez comment elle est, voilà, tac. Moi je l'ai prise en blanche et ma cousine a pris la même mais en mauve. Là comme ça c'est un peu matchy matchy. Ensuite ma cousine elle a pris deux paquets de spiruline comme ceci, des vitamines également, deux paquets de parfums, donc ça ce sont des cadeaux qu'elle va faire, différents types de chocolat de chez Valor, amandes, ici on a caramel, là on a 70% de cacao et tout ça de chocolaté blanco normalement. Alors concernant les gambas, elle a mis de l'huile, du beurre ainsi que de l'ail à chauffer. On va essayer de ciseler ça finement. Des fois, ouais. On a déjà la marche qu'on a fait au départ. Ouais. Le sunshine, tu vois. Ça fait trop du bien. Ouais. Un peu plus amusé, tu vois. Ouais. Parce que demain, il va faire 26, tu m'as dit, c'est ça, hein. 26. Franchement, de quoi se sucrer la peau au soleil. Par contre, on aura le temps caramel, oh. Regardez, j'ai coupé vraiment hyper finement. Tu les coupes comment les tiennes? Moi, je pense que je vais les faire mi-cuite. Al dente? Ouais. C'est parti, chacun sa poêle. Chacun son... On va la mettre, on va la laisser une autre. En plus, l'odeur là qui se dégage. Plus après le persil, à la plancha. Est-ce que vous entendez Princesse Leia en arrière-fond? Qui pleure parce qu'elle veut participer. Elle aime pas être seule. Tu voulais participer. Regarde le morceau de persil sur la joue. On va mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre et un petit peu de préparation pour paella. Voilà le résultat. Regardez comment c'est so yummy. Ton biberon ne t'a pas suffi? Biberon, panade. Petit tips, franchement, achetez au Mercadona votre box de gambas et ça vous reviendra à 6 euros, guys. Regardez ce qu'on va regarder. Elle n'a pas vu les dernières vidéos, donc on va regarder ça tout de suite. Alors aujourd'hui, j'ai cuit mon thon en mode mi-cuit. Je l'ai vraiment bien cuit sur les deux côtés, mais au milieu, je l'ai laissé plus ou moins frais. Pas beaucoup quand même, mais un petit peu, voilà. Non, ça va, je l'ai quand même bien cuit. Avec ça, je me suis fait des nouilles. C'est un petit déjeuner full asiatique parce qu'on mange des nouilles le matin. Aujourd'hui, nouvelle journée toute ensoleillée. Il fait super beau ici à Alicante. Et moi, je suis toute de noir vêtue. On dirait que j'ai un enterrement. C'est le seul habit de plage que j'ai trouvé. Donc bon, on va aller maintenant chez Kiabi chercher des petits vêtements pour baby. Et ensuite, je vais regarder si je peux trouver un petit truc léger pour la plage. Ainsi que des sandales parce que pour rappel, baby pose, que uka freeze, nipeta pasom, la picha cheese, yes song, you're so cute, koko ni me weuka, kabisa chiri. Toda la gente nos mira porque estamos en vestidos y ellos en chaqueta. Es el verano para nosotras. Bien en Espagne, c'est qu'il y a tout le temps des soldes, il y a des rebajas partout, mais vraiment partout. Donc moi l'idée c'est vraiment de regarder quelque chose tout à l'heure. Parce que si je vais à la mer comme ça, clairement je vais prendre feu. Je serai un combustible de plage. Hola. Hola. ¿Tiene usted aseos, por favor? Sí, aquí en esta parte están abajo. Abajo. J'ai rien trouvé chez Kiabi, donc tant pis. J'ai acheté une empanada au thon, on va la chauffer tout de suite. C'est du jus à la menthe et une pomme. Y después vamos a comer los churros de Valor. On va goûter la petite empanada. Il y a du thon, c'est bon. Un glace au tomate. Je pense qu'on était un petit peu trop utopiste. Le temps a complètement cambiado. Il fait hyper gris maintenant. Donc on se dirige quand même vers la plage. Parce qu'on est à Alicante, on est obligé de poser nos pieds dans le sable. C'est évident.
On est venu prendre ici un petit encas, donc on a pris déjà des fingers au queso. On va goûter ensemble le queso, donc le voici. Normalement il est fondant. Yes, très fondant. Est-ce que c'est la confiture? Effectivement c'est la confiture. Un petit poulpe avec une salade verte. Le chocolat que je vous ai montré hier, du Chevalor. En pleine nuit hier, à midnight pile, il est tombé comme ça dans mon cerveau et je voulais le try. Je l'ai ouvert, il était minuit, j'avais déjà brossé mes dents et tout. Et quand je l'ai goûté, mamma mia, c'était delicioso avec le chocolat blanc, le caramel, la almendra, c'était vraiment délicieux. On a reçu nos plats, saumon, frutti di mare. Dans ces pâtes-là, il y a beaucoup plus de sauce que celle qu'on avait prise à Miami. C'est la première fois de toute ma vie que je prends des pâtes dans un restaurant. Je me dis, je peux les faire moi-même à la maison. Et je prends toujours des choses que je ne mange pas souvent chez moi. On vient de rentrer. Actuellement, il est 23h. On doit se dépêcher parce qu'on part demain. Et je voulais vite vous montrer ce que j'ai pris. Regardez, j'ai encore pris deux paquets comme ça. Trois autres paquets comme ça. J'ai également pris sur ce type de chocolat là avec des noisettes au lieu d'amandes. On a acheté ça parce qu'en fait c'était un monsieur qui les vendait. Et en gros, de ce que j'ai compris, ça fait panier, corbeille à fruits comme ça. Ça peut également servir comme plateau. Vous voyez, vous pouvez déposer ça. On s'est pris également des petits jus pour demain, des petites baguettes parce qu'on a également du fromage qui nous restait. On a nettoyé la cuisine. Je ne vous ai pas montré, regardez la bague, comment elle rend. Elle est trop jolie. Trop beau. On a celle-ci. Elle est juste trop belle. J'ai oublié de vous montrer le bijou que ma cousine s'est acheté. Pierre précieuse avec un petit diamant au-dessus. Boîte dans une boîte. 1, 2, 3. Regardez cette beauté. Sarah. Et voilà, le séjour touche à sa fin. C'est fini, top, pipo. Mon sac à dos est super lourd. Je pense qu'il fait plus que 10 kilos d'ailleurs. Avec tous les chocolats, la corbeille de fruits qu'on a acheté en bambou. Regardez comment il fait magnifique. Est-ce que vous pensez que j'ai envie de rentrer? Rentrer pour travailler en Russe? Non. Voilà ce qu'on a pris. On a pris un chocolat chaud ainsi que les churros de chez Valor. Vraiment, ça c'est parfait pour finir le voyage. Des churros, un chocolaté con leche, la vue sur mer. Ça c'est le vrai churros espagnol, c'est pas le bon. Estamos tomando el sol. Super beau, on est en train de bronzer. Bon, à mon avis, j'aurai encore la trêve, tu vois, elle tombe dans tous les voyages. Après Valor, on va aller chez Amorino prendre une petite glace, puisque regardez le temps. S'il vous plaît. Alors, ici, j'ai pris mango au milieu. Et noche lata. Are you down? Porque ya estoy adicta a tu son. Si tú quieres voy por el hombro. Ya estoy lista para darte otro round, otro round, otro round. Are you down? Porque ya estoy adicta a tu son. Si tú quieres voy por el hombro. Super frais. C'est super beau. Regardez ça. Et on va goûter la paella. En fait, c'est une paella à l'encre de sèche et au riz noir. C'est pour ça qu'elle est noire. Elle est magnifique. Parfait.